Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite. Sheltered. Donc là, j'entends une alerte. Donc du coup... Non, tu vas rester ici mon petit, c'est la petite que je voulais amener là. Se cacher. Et du coup, le petit William, je vais lui demander de se cacher aussi. Donc là, on va se faire agresser apparemment. On va voir comment ça va se passer. La porte est renforcée a été renforcée en tout cas. Et quelque chose d'encore plus renforcé, c'est quoi? C'est bien évidemment notre entrée. Je viens de dire que l'entrée est renforcée. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a un fusil automatique. Le pire, c'est qu'on aurait le temps de faire 3 cachettes. Oh! Oh! Attendez, est-ce que je peux faire ça? Ah, je peux pas la réparer. La pauvre. Je sais que c'est là. Donnez-moi ça, je reviendrai. Oh, la pauvre. La pauvre, la pauvre. Je pensais réellement qu'on allait avoir un peu d'action. Mais je ne suis pas mécontent. J'ai pu cacher les deux gamins. Je sais pas du tout comment ils allaient réagir. En tout cas, le système est parfait. Qui est-ce qui va nous agresser? Bah, bois donc un peu d'eau. Utilise les toilettes parce qu'apparemment, ces émotions t'ont donné envie d'aller aux toilettes. Et moi aussi, je t'avoue. Et après, tu vas dormir ici, ma petite Dorothée. Du coup, là, j'ai laissé passer, évidemment. Enfin, j'ai un petit peu joué histoire de trouver un peu plus de trucs du véhicule. Mais j'ai du mal à trouver ne serait-ce qu'un pneu. La courroie du ventilateur, ça va être un peu chaud à trouver tout ça. Où se trouve la petite? Ok, ils sont tous aux toilettes. Voilà, donc la petite. T'as besoin de prendre une douche, t'as besoin... Allez, va manger un peu. Notre nourriture est un petit peu... Voilà, ça a pas mal diminué. C'est un peu bas tout ça. Donald, pourquoi tu descends? Va manger un bout aussi. Va manger un bout. Ok, ouh, il commence à pleuvoir. Est-ce que notre cheval est affamé? Il l'est bien. Et ça tombe bien. On a quelqu'un ici qui va pouvoir le nourrir. Donc la petite ici va prendre une douche juste après. Voilà. Et puis les deux autres, ils vont aller manger. Non, ils vont aller dormir. Ronald, une fois que tu as fini de manger, tu vas dormir. Et puis Dorothée, tu t'occupes du cheval. Et William, tu vas dormir aussi. Ok, j'aurais dû prendre un cheval. Une douche avec un savon. Ok, donc là, t'as besoin de dormir. Bah, va dormir aussi. Ok, Dorothée, tu peux réparer ça, s'il te plaît. Ah, je peux améliorer ça aussi. D'accord, ok. On a genre ici de l'acier trempé. Doublé de diamants. Et là on a juste une porte en bois parce qu'on a coupé des bûches dans les forêts ici. Et puis on s'est dit bon, on va faire une porte, ça sera joli. Mais on va essayer de voir si on peut l'améliorer du coup. Elle a fini la réparation, améliorons ça. Oh nice. Je peux venir ici directement? Non, je suis obligé de passer par là. Du coup, il y a des choses à réparer dans notre base. Oh, regardez ça. J'ai pas assez de métal. C'est bien dommage. Ok. Du coup, dépose la combinaison ici. Et commence à réparer un peu tout ce qui se trouve ici. Alors, William, quand tu vas te réveiller, tu vas aller boire un peu. Et Donald, tu vas utiliser les toilettes. Ronald, plutôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La petite, elle s'est réveillée. Va boire un peu d'eau. Il y a une bonne quantité d'eau qui arrive. Donc là, j'ai pu améliorer, je pense. Ouais, j'ai maxé le truc. Donc là, ça augmente la vitesse du fonctionnement à 100%. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Oh, on peut même améliorer ça. Ok, ça c'est très bien. Du coup, tu vas prendre une combi, ma petite. Et tu vas l'améliorer. De toute façon, là, on a tout qui est bien. Donc du coup, on n'a pas vraiment besoin des pièces et tout ça.
On a un très 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 grand stock de tout. Oh, on arrive ici à la roche. Ok, je peux pas faire énormément de pièces non plus. Donc là, elle répare ça. Ah, le petit William. Va améliorer ça, s'il te plaît. On a 10 tuyaux. En fait, c'est les tuyaux qui nous freinent un peu. Cette machine-ci, j'aimerais bien en faire une autre. Ah, mais là. William, non, 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 reviens ici, s'il te plaît. C'est Pamela qui est censée améliorer la chose. Merci beaucoup. Allez, fais attention avant que tu ne prennes un gros coup. Donc là, les deux hommes sont prêts. On va lancer une expédition tout de suite. Ronald. Tac. William. Ok, il veut utiliser les toilettes, bah, la prochaine fois. Donc là, où est-ce qu'on va aller? Ah, tac, tac, tac. J'aimerais trouver des caisses. Ici, c'est quoi? Grande station d'essence. Ici, on ne sait pas ce que c'est. Trappe mystère, ah oui, ok. Il faut trouver le code. Maison moyenne. Alors, peut-être qu'il y a un lieu où on n'a pas vraiment visité. La mine. Ici, on n'a pas visité. On peut passer par là. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits en fait où on peut choper des pièces de voiture. La petite station d'essence, on peut trouver du bidon, enfin des bidons. Tac, tac. En fait, sur toute la map, il y a genre deux caisses. Il y a celle-là, il y a la petite ici. Là, là. Ok, bon, on va peut-être faire ça dans l'autre ordre, comme ça. La petite caisse. Ok, il y a une petite, il y a une grande. Où on pourrait éventuellement trouver des pneus. Ok, et puis après on va passer ici. Tac, là j'utilise la flèche. Comme ça j'ai mon autre main qui est libre. Voilà. Donc là. On va passer par là et vous allez aller là. Waouh, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup d'eau. Pour pas grand chose. Bon, on va voir ce qu'on va gagner hein, du coup. Confirmons. Allez, prenez. Non, on va peut-être voir l'utilisation. J'ai déjà tué un ours. C'était un peu violent. Un peu trop violent à mon goût, mais bon. Tac. Et je vais prendre. Allez, on va prendre deux médocs. On va prendre deux médocs avec nous. Ok, le petit William, tu vas t'équiper de ça. Le pire, c'est que les femmes sont souvent ici au bunker. Mais. La petite Dorothy, elle est en train de se musquer, donc elle aura des bras bien plus gros que Ronald. Ok. Du coup, bah, va manger, va boire. La petite, où est-ce qu'elle est? Elle est partie améliorer des choses. Ok. On accélère tout ça. Ok. Donc là, utilise les toilettes, prends une douche. La petite, tu viens là, prendre une combinaison, remettre la combi et ne pas lancer l'expédition. Non. Oui. Transmission, tu vas balayer pour les marchands. Ok. Donc là, regardons ce qu'ils nous disent. On a rencontré une personne sur la route. Allez, vas-y, on va lui parler, hein. On est comme ça, nous, on parle aux gens. Ouh. Ouh là là. Et le voyageur? Ouais, on va se barrer. Ah ok, ils veulent nous rejoindre. Mais non, mais ils prennent déjà une stance de combat. Heureusement que j'ai un pistolet avec moi, parce que sans ça, je m'en sentirais tout petit. Ok, après tu vas dormir. Boum. Grande maison. Non, laissez tomber les gars. On n'est pas là pour... une maison moyenne, laissez tomber. Une grande maison, laissez tomber. Ah oui, non, là on va aller vite. Hein. On va aller vite. Donc là, ma petite. Oh, dommage, arroser la plante.
Une grande casse. Ah, là, ça devient intéressant. L'étrissement, je sais pas si elles vont mourir. J'ai voulu la réparer, en fait, et j'ai récupéré les trucs. Donc là, ça pousse. Ok. Mais entraîne-toi, du coup, ma petite. Voilà. Ok, la grande casse. Ouh, regardez ça, on a trouvé un pneu. On a un démarreur. Il nous faut juste la courroie, en fait. On va prendre tout le métal, déjà. Et je cherche aussi le dernier outil. Allez, on va tout prendre. C'est pas comme si j'allais visiter 30 lieux. Ok, vous allez. Nous avons trouvé une prison. Allez, fouillons ça. Hein. Parfois, ils s'entraînent avec des pneus, donc on se dit, pourquoi pas? Ou alors, je confonds avec un autre jeu. Alors, eux, ils veulent nous vendre ça. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. C'est tout. Je vais leur donner de l'eau. Voilà, 15 bouteilles d'eau, ils sont contents. Ok. Elle a fini de s'entraîner, elle va aller dormir. Ok, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la prison? Ouh. Que des bonnes choses. Ça, c'est quoi ça? C'est du calcaire. La laine, on n'en a pas beaucoup, on va la prendre. Ok, d'autres personnes qui veulent échanger. Martha, bien sûr. Allez, on va prendre le scotch. Le magnésium. La nourriture. Tac. Non, j'ai pas envie de scroller en fait tout en bas pour donner des choses inutiles. Les piles, c'est combien? C'est 4. Oh, punaise, quoi. Le ciment, on a plein. Oh, on a plein de masques. Super important, les masques. C'est pour ça que je veux une seconde machine à recycler. J'ai tellement de choses. Voilà. Du coup. Oh, punaise, j'ai raté le truc. On a croisé quelqu'un. Allez, vas-y, on va leur parler. Ouh. Oh mon Dieu, regardez l'état dans lequel il se trouve. Est-ce qu'on peut t'aider, mon petit? Ah, il veut échanger. Ben, je veux prendre tes graines. Ça coûte 4. Je vais te donner des choses super utiles. Voilà. Je lui donne un bon paquet de calcaire. Comme ça, il pourra se nourrir. Ok, ma petite. Après ça, tu vas t'entraîner. Une petite casse. Oh, j'espère que c'était pas la grande casse qu'on a ratée. Oh, dommage. Ok. Ah, une. Ok, approcher les étrangers. On a un pneu, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouh là là, il est armé jusqu'aux dents. Est-ce qu'on peut échanger, mon petit? 10 seulement. Je suis sûr que je vais pouvoir te trouver de bons objets. Je vais prendre le bois. Regarde, voilà une pince. Ah, ce fut un plaisir, étranger. Reviens quand tu veux. Non, je vais pas revenir parce que quand tu vas voir que je t'ai donné de la merde, tu vas vouloir me tuer, donc non, merci. Ok, examinons les éléments. On a trouvé la courroie du machin. C'est très bien, on cherchait la courroie du machin justement, donc du coup c'est cool. Nice, ça je suis content, finaise. J'ai joué genre 1 heure de mon côté, sans avoir pu trouver une seule. Un seul pneu. Et là, tout d'un coup, j'enregistre. C'est comme si le jeu voulait que j'enregistre. On va choper les transistors, ça. La cordite. Le ciment, tout ça, tout ça. 94, c'est déjà beaucoup. Hein. Regardons ça. Ok, ces valeurs de base.
On va leur donner des nounours. Ils vont être contents. Voilà, 75. Et des calmants, 95. Voilà, boum. Emballé, c'est emballé. On va prendre notre délicieuse petite... Il y a des lits. Ah, il y a quelqu'un. Oh, ok, ils ont trouvé des choses. Dans la... Ah, c'est une grande maison. Ah, allez mourir, les gars. Mais merci quand même d'avoir trouvé ces nounours, ces tuyaux, ces câbles, ces masques, l'interrupteur, tout ça. Les bouteilles d'eau, comme ça on va pouvoir échanger. Du plastique, la nourriture, tout ça. Ah, mais j'ai encore de la place en fait. Ok, j'ai plus de place. Boum. Donc là, j'aimerais mettre les derniers items qu'on n'a pas mis. Après leur appel. Ah zut. Ah bon, c'est pas grave. Fabriquer un objet. Qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau 4? Au spécial, on n'a toujours rien trouvé. Je peux mettre le laboratoire, qui permet de concevoir des médocs. Et ça, il faudrait qu'on le fasse aussi. Il nous faut des tuyaux. Mais les tuyaux sont tellement importants. Allez, on va prendre le labo. Ah, je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre là, même si c'est une cachette. Je peux le mettre tout en bas? Non plus. Ok, on va devoir réarranger un peu les choses. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la petite maison? De la nourriture? Ok, on prend. Merci beaucoup. Donc là, on va organiser vite fait notre abri. Je vais déplacer le tableau. Quelque part où il passe souvent. Voilà. Le punching ball, je peux te mettre là. Nice. Punaise, mais là c'est vraiment... Non, il faut arrêter quoi. Elle a besoin d'espace pour se déplacer, tout ça, donc il faut arrêter de déconner. Tac. Donc là on va pouvoir fabriquer le truc du labo et le mettre ici. En fait le truc de l'eau, je devrais pas le mettre là, mais c'est pas grave. Fouillons les lieux. Et il y a des gens qui arrivent à l'interphone. Nice. Répondre. Coucou Anne, tu as besoin de quelque chose? Toujours, toujours. Je vais prendre tes balles de fusil et ton truc. Un 25, 1, 2, 1, 2. Non, il y en a un que j'ai pas donné en 2. Okay, il reste 5. Deux moteurs. Boum, boum. Voilà. Là, je suis en train de m'équiper de balles de fusil. C'est juste incroyable. Réorganisons vite fait l'abri après l'appel. Petite casse. Magnifique. Regardez ça. On a trouvé encore plus. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Le calcaire. Tu dégages. La courroie. Ben, tu restes. On prend les choses essentielles, bien évidemment. Les tuyaux, le pot de peinture, plastique. Et puis c'est tout. Ah, c'est tout comme ça. Magnifique. On a trouvé 3 roues. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ma petite Dorothée, tu vas prendre ça. Tu vas prendre la combi. Et tu vas venir réparer. Surtout celui-là en premier. J'ai pas envie qu'il tombe en panne. Et que je me fasse surprendre. On a trouvé une petite maison. Non, laisse tomber, mec. Et après ça, tu vas réparer ça aussi. Ouh, nous avons trouvé un col de montagne. Eh ben. Voyons donc ce col de montagne. Ok, durabilité 31%, on va réparer ça. Ok. Tant qu'à faire, on va réparer aussi le truc qu'on a à l'extérieur, autant en profiter. Le col de montagne apparemment était... quel est le mot que je cherche? Était rempli de gens, c'est pas vraiment un mot, mais c'est pas grave. Coucou Suzanne! Bon, on peut échanger s'il te plaît. Waouh, cool. Ok, 12, c'est pas beaucoup. Regardez ces échanges de fous.
Tu m'as quasi entièrement dévalisé, mon pote. Maintenant, je vais devoir fouiller dans les ordures pour chercher des provisions. Oh, mais Suzanne, t'aurais pu me le dire, je t'aurais donné de la nourriture. J'aurais pu t'écouter aussi en début de discussion. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Avec notre petite Dorothy, elle va démonter ça, donc elle va venir remettre sa combi. On regarde ce qu'ils ont trouvé sur le col. Ouh, de la pierre. Ah, j'aime bien les fleurs. La batte de baseball, tu dégages. Le démarreur, on en a genre 43. Je vais prendre les fleurs. Ça. On a 4 pierres. On peut faire une statue. Franchement, est-ce que ça vaut la peine? Allez, on va prendre de la pierre. On essaiera de faire la statue. Il faut genre 40 tonnes de pierre pour faire une statuette. Hein. C'est dans lequel? C'est pas ici. Là, c'est les choses utiles. Donc du coup, la statuette n'est pas là. Sculpture, il faut 20 pierres, punaise. Peut-être qu'on chope de la pierre avec les minerais de métal. Là. Alors, nous avons croisé quelqu'un ici. Ok. Hey mec, comment tu vas? On est là. Alors, là, tu m'as l'air fatigué, mon petit. Éreinté. Voyons ce que je peux faire pour toi. Tu vois un truc qui te plaît? Ouh, des graines. Qu'est-ce que je vais te donner, mon petit? Tu négocies un peu trop bien pour moi. Tu me proposes des graines super utiles. Je ne sais pas quoi te donner. Boum, regarde, prends une pile. Quoi, t'as pas d'appareil électrique? Mec, c'est ton problème, mec. Acceptez le deal. Finaison. Mais non, mais il y a des choses qui devraient pas se faire, en fait. Mais bon, lui aussi, il vient. On va démonter ça, pour avoir plus de place, vu qu'on a des bien gros. Mais non, mais lui aussi, il a un abri, donc c'est pas genre... il est en déche de nourriture, quoi. Ok, ça a été détruit, on a récupéré un peu de caoutchouc. Ok. Ouh, Christophe. Salut, Christophe. Donc là, je vais te prendre rien du tout. Mais juste pour le plaisir, je vais te prendre des seaux. Allez, merci pour l'échange. Passe une très très bonne journée. Donc là, nous avons notre délicieuse Dorothy. Qui fait vraiment le taf. Elle fait juste tout, en fait. Elle est juste magnifique. Elle va nous faire... un autre étage. Voilà. On va déplacer tout ce qu'il y a ici en bas. Tous les items en fait auxquels on n'a vraiment pas besoin d'avoir accès. Et du coup là, est-ce qu'on va pouvoir réparer le camping-car dans cet épisode? Ça a pas l'air d'être le cas, vu qu'ils ont besoin d'une douche. Ils veulent pas pouvoir. Enfin, ils vont pas partir tout de suite. Donc après votre douche, vous allez manger un bout. Voilà. Et la petite Pam, elle fait ce qu'il faut. Comme toujours. Ok. Tac. Tac. On se calme. Alors, le petit William, tu vas aller dormir. La petite Pam. Utilise les toilettes, tu bois de l'eau, quelqu'un est à l'interphone. Amy, oh coucou Amy. Oh, je suis désolé pour toi, mais on a vraiment zéro lit donc. Pourquoi Dorothy ne construit pas? Reprendre? Ok, j'ai dû annuler ses erreurs. Donc William va dormir, elle utilise les toilettes et toi aussi tu vas dormir. Voilà, ça c'est très bien. Ok, elle a rien cassé. Ou alors je l'ai pas vu. Ok, Dorothy qui n'arrête pas de choper bien évidemment de l'expérience. Boum. Ok, punaise, il faut qu'elle le finisse vite. Voilà.
pluie en surface, on est cool. Placer l'objet. Ah oui, ok. Il n'y avait pas d'or disponible. Pamela, Pamela, va dormir. Je vais faire deux lits comme ça. Comme ça, tout le monde a le meilleur lit possible. C'est plus pour moi qu'autre chose. Oh, regardez ça, c'est fini. On va le récupérer. Regardez tous ces items qu'on va récupérer. Je vais pas avoir assez de place. Hein. Je pense. 60 mag... Oh, finesse. Magnifique. Je te adore. On a de la place pour ça, vraiment? Waouh, 262 sur 267. C'est magnifique. Allez, Dorothy, fais-nous la dernière pièce, s'il te plaît. Ok. Bah, est-ce que vous avez une idée pour la couleur, ici? Pour le dernier truc. Tac, tac, tac. Utilise les toilettes. Bois de l'eau. Bah, toi, t'es prêt. Va nettoyer l'abri pendant que... Dorothy, tu vas pas faire ça, tu vas aller dormir. Voilà. Elle a besoin de récupérer. Ah bah, William, je sais quoi faire avec toi. Prends une combi et va nourrir le cheval. Voilà. Nourris le cheval, mon petit. Ok, toi t'as fini, va prendre une douche. Et va manger un bout. Ok, regardez ça. Donc là, on va pouvoir déplacer le tout d'un étage. Je vais mettre les lits peut-être plus bas ou les douches plus bas. On sait pas. En tout cas, les plantations, je vais les mettre plus bas, ça c'est sûr. Allez, viens arroser la plante. Ok. Tu déposes la combi. Ouais, évite d'arroser la plante parce que t'as pas trop la main verte. On va laisser faire la petite Dorothée. Ok, on part en expédition. Tac, tac, tac. Personne suivante. William, carte, cheval. Et du coup, on a déjà visité de ce côté-là. Il y a un casque, je pense, vers le bas. Quoi ça? Un abri, ok, on l'a déjà visité il y a pas longtemps. Ici. J'avais l'impression qu'il y avait un casse ici, non? Mais non, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de casse, mais je me suis plaint qu'il n'y en avait pas, et du coup le jeu m'a donné plein de pneus. Donc là, à moins d'attendre quelques jours, ou alors on y retourne tout de suite pour voir. Pour voir et se faire plaisir. Tac, tac, tac. Donc, grande caisse. Et là, c'est une petite. Allez, ils vont croiser leur chemin, mais c'est pas grave. Ils vont croiser les effluves. Allez, prends donc ça, parce que... Le pire, c'est que j'ai pris, je pense, un pistolet, mais j'avais pas pris de ballon. Peut-être que certains l'ont remarqué. Tac, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça pour échanger si jamais on rencontre des gens. Pareil. Équipé. Et du coup, on va te donner ou un fusil de chasse. Non, 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 non. Prends une batte de baseball. Ça fait toujours des dégâts, ça. Toujours. Ok. Donc là, les hommes sont repartis pour une autre excursion. Pamela se demande quoi faire. Est-ce que tu peux nous construire des choses? Ouh, regardez ça, on peut faire la presse à munitions. Ouh, qu'est-ce qu'elle m'a l'air d'être encombrante. Donc là, on a ça. Je vais réorganiser l'abri tout de suite. Je vais mettre ici, le plus près possible. Ok. Ça là. Ok, 10 minutes. On va déplacer ça ici. Voilà. On met espace et on voit. Fabriquer objet. Tac, tac, tac. Oh, putain, ça c'est bien, on va le faire. Mais on va faire la presse à munitions déjà.
On va la mettre ici. Non, ma petite, laisse tomber. Laisse tomber. Va là où tu maîtrises. Alors, on a trouvé une autre personne. Allez, vas-y, approchons-les. Approchons-les et voyons voir ce qu'ils veulent. Coucou. Et toi là-bas? Ça te dit d'échanger? Non? Ok. Bah salut alors. Passe une bonne journée. Du coup, ça va être notre petite Dorothée qui va s'en occuper. Ouh, il y a des choses qui vont tomber en panne. Donc la petite Dorothée évite de faire ça. Va réparer ça et va mettre du carburant. Tout de suite. La petite casse, bah fouillez les lieux mes petits. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oh non, des étrangers à la petite casse. Non, j'espère trouver la quatrième roue en fait. Et du coup on s'arrête là. Échangeons ma petite. Ma petite française. Ouh, ça coûte cher ton truc. Ah, je suis désolé, ma petite. Non, je vais te laisser ton nounours, il est... Il est trop adorable et je sais que tu y tiens, donc autant ne pas y toucher. Je suis pas un monstre non plus. Heureusement qu'on n'a pas de viande. Examinons les éléments. Ah, j'ai bien cru que j'aurais eu une roue, bien évidemment. Donc là, on va utiliser ce petit recycleur et on va mettre plein de choses dedans. On chope le double de métal, c'est juste incroyable. En fait, on chope le double des ressources. C'est juste incroyable. Ok, ici. Oh, puis ce truc me donne mes 40 milliards de métal, c'est juste incroyable. Du bois, en veux-tu, des ordi, en veux-tu, et puis là. On va dégager ça. On va dégager ça. Combien tu me donnes? Un. Ah, ça donne 2 de pierre. Et 4 de métal. Ok. Voilà, on va avoir les pierres pour faire la sculpture du coup. Ok, bah c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Ok, je crois que ici c'est pas. C'est pas limité peut-être. En tout cas, c'est pas grave, ça va nous prendre 3 jours ce truc. 64 minutes, 1 heure. Waouh, 1 heure de jeu pour avoir ça. Ouf. Eh ben, c'est du réalisme. Hein. Je suis trop. Donc là, tu vas aller réparer, reprendre ça. On n'a même pas utilisé ici, fabriquer un objet. Donc, on peut faire des antibiotiques faits maison. Ça demande du miel, des machins. Des échinacées. Eh ben, du gingembre et du basil sacré. Écorce de chêne, alfalfa et l'aloe vera pour l'anti-irradiation en maison, antidépresseur fait maison, le répulseur pour animaux à utiliser lors des expéditions, un objet à équiper qui réduit les chances de rencontrer un animal de 90%. Ouh. Et on peut faire du savon avec du miel. Eh ben, j'adorerais avoir ce savon. Qu'est-ce qu'on a ici? Une maison moyenne. Laissez tomber, mes petits. Laissez tomber. Donc là, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Au niveau de l'action, j'aurais bien aimé me faire attaquer un hôpital. Bah, l'hôpital, forcément, on va y aller. Hein. Mais en fait, je pense que c'est toujours la même personne qui venait me demander des rations, à qui j'ai continuellement dit non. Et du coup, elle s'est dit, bon, tu sais quoi? Si t'es toujours en vie... Oh, mais est-ce que c'est la même personne? Ça serait bien. Tac. Allez, vu que je t'aime bien, je te donne de la nourriture avec aussi. Voilà. De l'eau et de la nourriture, tu peux pas te plaindre. Pour les trucs pourris que tu m'as donné. Donc du coup... l'hôpital, on a ça. On va tout prendre. On va tout prendre dans l'hôpital. Il y a encore un item que je n'ai pas fait qui me permet d'avoir plus de choses. C'est le piratage. Où est-ce qu'il est? C'est ça. Il me faut ça. Pour en faire un. Ah non, je peux le faire sans. Ok.
Bah vas-y, fais-moi un du coup. Fais-moi un. Donc là, la grande casse. Allez, on va regarder les dernières, punaise. Non mais quand je suis près du but, ça me motive. Non, James, non merci. Utilise les toilettes, va te laver. Ok, la grande casse. Ouh, non, il va falloir venir dans quelques temps. Mais c'est pas très grave. Ça sera la fin de cet épisode-ci. Donc en attendant le prochain, et j'espère vraiment qu'on va pouvoir trouver la dernière roue du coup. Pour voir ce que ça va faire. On a 4 roues. Ah non, non, on a 3 roues, punaise. On a 3 roues et la courroie du ventilateur est trouvée aussi. Quel épisode super rentable. Donc là, ben, en attendant le prochain, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!